C'est un procès très attendu qui démarre aux États-Unis lundi prochain, celui d'Harvey Weinstein, l'homme fort, ex-homme fort du cinéma hollywoodien. Il est visé par des accusations d'agression sexuelle et de viol portées par plusieurs actrices. C'est un scandale qui a déclenché le mouvement MeToo avec un retentissement mondial. Alors retour sur cette affaire Weinstein avec nos correspondants Loïc Delamornay et Thomas Donzel. Quand Harvey Weinstein arrive il y a quelques semaines pour une audience préliminaire, le producteur est en déambulateur. Il s'est fait opérer du dos. Il est bien loin le temps de sa toute-puissance à Hollywood, où avec sa compagnie Miramax et ses 81 Oscars, il pouvait faire ou défaire n'importe quelle carrière d'actrice. Pendant des décennies, Harvey Weinstein va utiliser la même technique de chantage sexuel imposée aux femmes du cinéma, aux américaines comme aux françaises. Il était prêt à accepter mon scénario, mais pour ça, il fallait que je le regarde se masturber. Très vite, il me fait comprendre que ce qu'il veut, c'est que je sois sa maîtresse. Comme s'il me proposait un deal en me parlant de quelques jours par an, qu'il faisait ça avec plein de femmes dans le monde, comme si c'était tout à fait normal. Pour le producteur qui se sentait intouchable, c'est la semaine du 10 octobre 2017 que tout bascule. Le New York Times sort une première enquête à charge. Des dizaines de témoignages affluent. L'omerta sur Hollywood se déchire. Beaucoup savaient. L'actrice Gwyneth Paltrow, harcelée par Weinstein, révèle que son compagnon Brad Pitt avait menacé le producteur de lui casser la figure s'il continuait. Le monde de Weinstein s'écroule, sa femme le quitte, l'Académie des Oscars l'expulse. Il part en cure de désintoxication sexuelle. Je ne vais pas bien, mais j'essaye. J'ai besoin d'aide. Vous savez quoi? On fait tous des erreurs et on mérite tous une deuxième chance. Ce n'est que le début. L'une des toutes premières accusatrices, Rose McGowan, lancée par Weinstein dans la série Scream et qu'il accuse de viol, déclenche avec d'autres l'étincelle d'un mouvement mondial. Pour toutes celles qui se sont fait attraper la chatte, comme ils disent. C'est terminé. Parlez, dénoncez, rejoignez-moi. Rejoignez-nous toutes et amplifions nos voix. MeToo, balance ton porc. Dans des dizaines de pays, les mouvements libèrent des années de souffrance et de silence. L'affaire Weinstein est indiscutablement un tournant dans l'histoire de la parole des femmes. Le procès du producteur prédateur n'apportera pas toutes les réponses. Harvey Weinstein n'est poursuivi au pénal que par deux femmes pour viol et agression. Toutes les autres ont accepté un accord financier, comme souvent dans la tradition pragmatique de la justice américaine.